Putain, désolé pour le retard, les gars. J'étais en train de mater un documentaire sur les orang-outans. Passionnant. T'as mis ton sweat à l'envers? Non. Ah, si. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es perturbé? Ouais. En fait, tu vois, il y a les parents de l'autre, là, merde. Comment elle s'appelle? Tu sais, ma meuf. Steph? Ouais, voilà, Steph. Et ben, ils partent ce week-end et du coup, on a le week-end pour nous deux pour... Stop. On a compris, on est en train de manger, la Slim. En tout cas, bravo et bonne chance. Voilà, et puis le truc, c'est que la dernière fois, bah, au lit, c'était pas la fête du slip, tu vois. Tu veux nous parler de la fameuse panne, hein, c'est ça? Mais vas-y, raconte-nous, parce que scientifiquement, c'est passionnant. La panne de quoi? Elle habite à 200 mètres, j'y vais pas en bagnole. T'es con, quoi? Bah ouais. Non, tu vois, par exemple, au Liberties, t'as les frites surgelées bien raides et tout, et t'as les frites un peu molles, tu sais, cuites 8 fois dans de l'huile rance et tout ça, bah moi, c'est plutôt la molle. Hein. Mmh. Non, puis c'est vrai qu'en plus, Steph, elle a un physique un peu spécial, quoi. Enfin, dans l'immobilier, on dirait atypique. Ouais, sauf que dans l'immobilier, ce serait une qualité. Putain, mais arrêtez, les gars, là. Vous voyez pas que je suis pas bien dans ma chair ou quoi? T'inquiète, mon pote, j'ai une solution infaillible pour toi. Quand tu la pécho, il te suffit de penser à une meuf méga bombasse dans une situation méga chaudasse, tu vois. Ah, c'est bon, ça. Là, je vais penser à Juliette en train de monter à la corde à nœud. C'est quoi, laisse tomber. Prends plutôt de la harissa. C'est bien ça. Ah, mais il a raison, hein. Les épices et le piment, ça a des vertus extrêmement aphrodisiaques. Et du coup, je trempe mon sgeg dedans combien de temps avant? Oh, putain, ça sent le prout, là, votre truc. T'inquiète, on a suivi à la lettre la recette d'africanlover.com. Écorce de cannelle, poivre vert, racines de gingembre, graines de moutarde, bois bondé. J'ai ajouté le pili-pili et le tabasco pour le goût. Et puis c'est bien connu, hein, Médoc, plus c'est dégueu, plus c'est efficace. Allez. Alors? Bah, ça sent les fesses, mais au goût, c'est bon, quoi. C'est un peu comme l'andouillette. Enfin, ce qui est important, c'est le principe actif. Normalement, tu dois ressentir quelque chose au niveau du bas-ventre. Ouais, là, je ressens un truc. Alors, ça y est? T'as le Kamasutra en toi? T'es un bonhomme? Ah non, wow, putain, ça agit, là. Ça gargouille à mort. Là. Attends, tu permets? Hop, il y a urgence, là. Oh, putain! C'est en train de faire fondre la moquette, le truc, la Slim! Comptez que ça va sentir l'andouillette dans toute la maison, hein. Cette fois, Slim, c'est un remède légal. C'est vendu en pharmacie, y a rien à craindre. Enfin, je suis un peu inquiet quand même, hein. Il en a gobé 4, c'est 3 de plus que ce qui est autorisé normalement. Et peut-être que le principe actif du Viagra, ça marche que sur les personnes âgées? La foutaise, hein. Moi j'en donne à mes genoux et ça... Ok, merci mamie. On s'arrête là pour les infos, je te remercie. Ou alors sinon, il faut augmenter la dose. Donne ta main. Faites gaffe quand même, hein. Il risque de faire une crise de tachycardie. Impossible. J'ai pas de tachycardie. Par contre, j'ai une tati Sophie, mais elle habite à Tours. Et j'ai l'impression que votre truc, ça me donne plus d'humour, là. Apparemment, ça te rajoute pas des points de QI, hein. Oh putain, ça marche! Oh my god. Slim, ça... Oh... Non, pas toi, mamie! Non, pas toi, toi, tu regardes... Non, tu ne regardes pas, toi, mamie! Tu t'en vas, dehors, dehors! Oh, bah, si on peut pas s'amuser, alors... Ça marche! Ça marche, les gars, ça marche! Wow! Wow, attends, j'ai la tête qui tourne un peu, là. Slim? C'est pas normal, avec tout ce qu'il a englouti, il devrait être hyperactif! En même temps, ça fait longtemps que le terme « normal » ne s'applique plus à Slim. Je vais chercher un seau d'eau pour le réveiller. Non, non, putain, mais je comprends pas, là. Vas-y, on... T'as vu tous les cachets qu'on a gâchés? Bon, ok, je sais ce qu'on va faire. Oublie le seau d'eau. Tu vas lui mettre des claques pour qu'il se réveille. Moi, je m'occupe du reste. Ok. Mais tu fais quoi, toi? J'appelle Steph. Il va aller voir son week-end. Tiki tiki boum boum. Ouais, mais vous êtes marrant, vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Bon, bah vas-y, dépêche-toi, là. Ouais, peut-être qu'il y aura encore quelques effets quand il se réveillera. Allez, on y va. Slim, réveille-toi, là. Allez, bon week-end, les amoureux, hein. Bon week-end.